Salut Saiyan, ouais, voici Captain Fleur, de ses prénoms son nom de champion MC, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Black Desert Online. Probablement la dernière vidéo sur cette chaîne, à moins de... À part si vous me le réclamez tout ça, peut-être, mais sinon ça va être ma dernière vidéo. J'avais prévu bel et bien 3 vidéos pour ce jeu-là. Et aujourd'hui, c'est la dernière de ce jeu. Ceci est mon personnage pour ceux qui... C'est la première fois qu'ils regardent cette série. Sinon, je vous invite à écouter à partir du début. J'ai pris son nom, c'est Shine. Bon, pour mon personnage. Mon personnage, c'est Marin M. Pour le type de personnage, je n'ai pas... Le nom en tête, c'est Shine. Pas faction, pas race. Je ne sais plus comment ça se fait. Mais c'est Shine. Une chose qui est sûre, nous allons affronter Nero avec ceci. C'est fun de combattre avec elle. Tout simplement parce que c'était peu puissant, mais c'est efficace. Tu peux être à distance sans problème. Je suis sûr que ça va faire une énorme différence. Je vous laisse. Thank you.
Oui. Je l'ai eu. Voilà. Mon travail. C'était quoi la voix? Mon travail. Ah, peut-être je sais pas comment le faire savoir. Je savais que tu pourrais vaincre ce Nero. N'y crains, je suis toujours avec toi. Après tout, dans le pire des cas, on meurt, c'est tout. Un courage. On a clé. Il est où? D'accord. Quelle surprise! Quand Uno m'a dit que tu venais de partir, ton courage est louable. Voilà! Tout me dérange, je vous effrite. Bon. Juste après ma discussion avec Uno, j'ai regroupé des forces pour traverser les lignes des effrites d'acier. J'ai la misère de livre. C'est blanc, PS! Vous comprenez? Puis j'ai suivi ta trace jusqu'ici. C'est vraiment extraordinaire. C'est incroyable que tu... Ah! Ce qui m'énerve, c'est frais. Finir Foupeau. C'est incroyable que tu aies réussi à vaincre Nero aussi vite. Ton nom restera à jamais dans l'histoire. Une carte. Non, bonjour, avec une sorte de maladie, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. C'est un célèbre alchimiste. Tu devrais aller le voir. En attendant, je vais retourner au camp pour chasser le reste des effrites et préparer notre repli. Si seulement le Seigneur avait pu nous recommander plutôt quelqu'un comme toi et quiconque importe, ça n'a pas vraiment important. Oh, j'ai fait oublier Tiné. Il se trouve dans la grotte des effrites. Bien qu'il ne soit pas imposant, il nous a tout de même bien aidé. Ah, et justement, tu vois l'endroit appelé Ferme Logia sur le chemin menant à Velia. Eh bien, je crois qu'il cherche de la main-d'œuvre. Tu pourrais aller les voir et leur parler de Tiny. Ça serait mieux qu'ils aillent vivre à la ferme Logia. Ou de rester terre et apeuré à l'intérieur de la grotte des frites. Ah, je m'aperçois, je suis rendu au niveau 14 après avoir vaincu. Mais rouge. Ah, tu as été envoyé ici par le commandant Cliff. Avoir de ces nouvelles me réjouit. Il est toujours si attentionné. Je me demande comment il a fait pour savoir qu'on avait besoin de monde. Tu veux donc me recommander un ifrite? Ça ne va pas être facile, tu sais. On a un ouvrier gobelin ici à la ferme qui a peur des ifrites. Incroyable, n'est-ce pas? Je n'arrive même plus à dormir la nuit à cause de ces belettes et de ces renards. Je suis content d'avoir de bonnes récoltes, mais ces animaux me rendent la vie dure et la vie impossible. Petit nez, en voilà un nom. Qui est mignon tout plein. Et donc il s'agit d'un ifrite. Haha, qu'importe, après tout, ce sont les ordres du commandant Cliff. Tu peux me l'emmener. Mais comme je te disais, on a un ouvrier gobelin qui a peur des ifrites. Si ça devient délicat à gérer,
Je risque peut-être de devoir l'envoyer après de Santomanzi. C'est le conducteur de travaux de Velia. Velia étant une ville plus grande, qui si Ptini devrait avoir moins de problèmes là-bas. Oh, tu étais sur le point de t'y rendre. Voilà qui est parfait. Longe la côte en direction de l'est. Tu ne peux pas manquer Velia. C'est un charmant village donnant sur la mer. Pour en revenir à Ptini, tu dis qu'il est à l'intérieur de la grotte des Ifrits. Tu peux d'or et déjà partir pour Velia. Je m'occuperai de Ptini. Faut que j'aille au village à Velia. Ah oui. Je me suis rendu jusqu'à là. Je vais être honnête. Bah pas avec ce personnage là. Mais avec l'autre personnage. Hey, ça m'énerve ça, c'est cas. C'est une connexion internet. Allô. Ok, je... Oh, ça fait longtemps que tu es là. Moi, je m'assure de la sécurité de la ville. T'es jeune? Oh, c'est vrai que le personnage que j'ai, il est là jeune pour ça. Oh, alors, j'ai rien dit alors. Parfois, les gens font des paris absurdes à qui arrive le plus vite au château de Cron à Nantes. Tu vois le château qui se dresse là-bas? C'est le château de Cron. Il y a eu une énorme explosion là-bas autrefois. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Oh, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de parler. Je m'emballe d'ailleurs. J'y pense. Que fais-tu ici? Marche le long du littoral et tu tomberas directement sur Velia. Sur Velia. Ok, ça c'est le château. Ah. Château qui parlait. Intéressant. Une mise à jour, je sais pas si ça influence grandement. Peut-être dans d'autres serveurs, peut-être pas le tutoriel parce que je suis encore en mode tutoriel. Ce que ça sache. Peut-être à influence d'autres serveurs. Puis qu'ils essaient de décorer Halloween. Parce que oui, on est dans le mode Halloween. Voilà, allons là. Bienvenue, c'est sûrement de toi que le capitaine Cliff m'a parlé. Le monde est à toi. Tu n'as pas à détruire quelqu'un d'autre pour atteindre tes buts. Désolé de te demander un service pareil, mais je commence à manquer de quests, de quêtes de belettes. Peu importe. J'ai demandé à ma fille d'aller m'en chercher, mais elle m'a répondu, va en chercher toi-même, le vioc. Ok, tu pourrais trouver trop que de belettes, ça? Oh, je vois, tu as perdu la mémoire à cause de l'énergie occulte. Mais tu as tout de même réussi à conserver ta santé mentale, c'est rare. C'est peut-être justement à cause de tes souvenirs perdus de ce que j'en sais. Tu étais un aventurier avant cet incident. Et si tu partais à l'aventure pour retrouver tes souvenirs? Tu pourrais même tomber sur quelqu'un qui te connaît. Il faudrait mieux te reposer un peu avant de partir. Le chef du village adore les aventuriers. Ah ouais! Halloween! Je peux pas réaliser. Dans le fond. Ok, c'est cette personne-là. Ouais. Il se prépare pour l'Halloween. Salut de ces aventuriers, bienvenue à Velia. Alors, qu'est-ce qui t'emmène ici? Raconte-moi tes aventures. Ton sac semble bien rempli. Moi aussi, je suis parti à l'aventure, donc je sais ce que c'est de porter tout ça.
peut-être voudrais-tu rencontrer le gérant des pots. Il pourra t'aider à organiser tes affaires. Si tu vas en direction du rivage, tu tomberas en Ernil. C'est lui qui gère le dépôt de la ville. Et puis la plage offre un panorama splendide. Profite-en. Je suis au courant à propos des Jacotiron, espiègles qui apparaissent la nuit. Ces satanés fantômes citrouilles sont apparus de nulle part et harcèlent désormais les villageois. C'est une quête secondaire. C'est une quête temporaire. Ça fait bizarre. Si tu veux nous aider, je saurai me montrer reconnaissant. Si tu veux, je peux t'avoir une chambre gratuite avec un lit confortable. Que dirais-tu de rester ici juste une nuit? J'adorerais que tu me racontes tes aventures. Mais avant, j'aimerais te présenter quelqu'un. Tachereau est l'instructeur de compétences de notre ville et l'un des meilleurs qui soit. Il pourra t'apprendre beaucoup de choses. Si tu comptes séjourner ici, je te suggère de lui rendre visite. Bah, c'est fini. J'avais des choses à faire, oui. Lui, là. Grand, là. War is tragic, but from time to time, it's a comedy. Become stronger for your own good. What are you waiting for? Le chef bataille t'a conseillé de venir me voir. C'est très aimable de sa part. Si tu as besoin de peaufiner tes compétences de combat, je suis la personne qu'il te faut. Oh, il y a quelque chose que tu peux faire si tu veux rendre l'appareil au chef Bartali, c'est ça. J'ai entendu dire que sa petite fille a besoin d'un collier imprégné de pouvoir spirituel. Par chance, Alistair a pu l'aider. Le problème, c'est que le collier doit être imprimé de régulièrement. Donc, je l'ai confié à Eliane, mais j'ai oublié de le récupérer. Pourrais-tu aller voir Eliane récupérer le collier et le porter à la petite fille du chef On nous envoie partout. C'est fou. Merci. Des rats. J'ai goût d'aller là-bas. Il dit 17 lui. Tu sens embarquer là de ma vie. Je peux nager. Oui. Elle est bonne. Oh oui! Je peux vraiment monter dessus. Oh! Oh! Hey! Alors pour ça, ça va être tout pour aujourd'hui. Hey, ça finit bien la vidéo, ça aussi.
Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette dernière vidéo de cette série Black Desert Online. Pour ma part, moi je vais continuer, mais tout seul. Ça c'est sûr. Je vais continuer, ça je vous l'assure. Mais je vais poursuivre l'aventure seul. À mon propre... Selon mon propre cri. Après 3 vidéos, qu'est-ce que j'en pense du jeu? Le jeu, il a l'air bien. Jusqu'à date. J'accroche, comme on peut le dire. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un de très difficile dans les jeux. Puis, si j'accroche, tant mieux. Si j'accroche pas, c'est... J'accroche pas, puis je débarque. C'est sûr que il y a aussi... Je suis sur Black Desert Online. Je vais en parler aussi juste pour comme ça de... Comment ça s'appelle déjà? Gridfall. Il va y en avoir un troisième comme prévu. Lui aussi, ça va être la dernière vidéo. Moi, je... Dire que je pensais que ça aurait pogné plus. Ben non, pas pendant. Que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. Je fais des essais. Moi, je fais le nombre de vidéos que ça me tente. Ah, pour ça... N'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'essai. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. À part ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Puis merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette aventure de Black Desert Online. Si vous désirez que je fasse une vidéo dans le futur, pas la suite nécessairement, mais dans le futur, je vous en ferai une autre au pire. Mais pour l'instant, c'est la dernière. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.